Salut les gars, retour au Cameroun, 12h45 heure locale, ça va être l'heure de la sieste et une chaleur torride. Alors bon, il fait que 25, hein. Malheureusement, c'est parce que comme j'ai fait le scénario, je me suis un peu banané sur la chaleur et au lieu de mettre à 35, j'ai mis à 25. Par contre, on a un beau ciel beau, alors parce qu'on est en décembre, donc on est en décembre sur l'équateur, vous savez qu'il n'y a pas de saison sur l'équateur, donc bon, j'imagine qu'en décembre, au Cameroun, il fait 35 comme tous les jours de l'année, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et donc, c'est reparti pour ce tour 10, c'est marqué dessus. Donc, avec la France en train d'essayer de contenir une invasion chinoise du Cameroun destinée à mettre fin à la France-Afrique. Alors, bon, ben. Je vois que là, ça a été un tour très calme. On a quelques nouveaux contacts sans vraiment grand intérêt. Ah, ouais, bah non. Et on a des strikes sur des artis. Bon, sans intérêt. On a tué un UAV. Donc ça, c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal, ça c'est ce qu'on avait, c'est bien ce qu'on avait dit, ça. Et où est-ce qu'on l'a tué ce... Bon, on ira voir tout à l'heure, c'est pas très important. Et on perd un Rafale C malheureusement et un War Horse 4, un drone. Alors, on y va, on va jeter un coup d'œil au scoring. Donc on est à 6000 points toujours, sachant qu'il faut lui rendre. Il faut lui rendre 1000 points par rapport à là qui ne figure pas. Donc en réalité, on n'a que 5040 parce qu'il y a 1000 points pour la prise de Marwa Salah qui n'a pas marché suite à un bug. Alors là, je vous mets le graphe du scoring en Excel. Bon, bah, on est stable. On va regarder le scoring le tour donc de 11h30 à 11h40. 37 à 45 en fait, hein, 11h45. Donc il s'est rien passé. Si on perd 2, on perd 200 et on gagne 100. Donc bon, on fait un solde net de moins 60. Le tour d'avant, on avait un solde positif de 170. Et le tour d'avant, on a eu un solde négatif de 1400 parce qu'il a coulé la droite. Alors voilà pour les points. Bon, on va fermer ça. Voilà, on peut le regarder là, mais ça. Ouais, alors comme j'avais effacé, bon, je ne vais pas tout réexpliquer à chaque fois. Le graphe n'a pas tout à fait la même tête. Il manque les données avant là. Je pensais que ça allégerait le truc, mais bon, non. Alors, ici, on avait ce JDAI3 qui a été sur AAW Logistics. Alors, AAW Logistics, c'est une mission qui avait pour but d'aller dégommer sa logistique à lui. Tu vois, là, on a un patrouille maritime, un MA-60, et on a ce Y8J Cub, AEW, et ils sont donc dans la patrouille. Ah bah il y a lui là, attention, là on l'a raté lui. Ah putain, il est sorti de la patrouille. Alors, il faut changer la patrouille. Il faut la mettre comme ça parce qu'on a les trois. Là, il faudrait pouvoir faire un carton plein, quoi. Il faudrait pouvoir faire un carton plein. Et là, on a celui-là. On va aller prendre lui. Malheureusement, on n'a personne. On n'a pas. On ne peut pas être grand monde en plus. Par contre, attention, là, il se pourrait bien. Non, apparemment. Apparemment, son anti-air est très limité. Donc lui, on risque pas grand-chose. Alors, attention aussi, parce qu'on a. On a Champion Saint-Atlantique. Qui a un Exocet. Alors l'Atlantique, lui, on le montait, oui, on venait ici tangent à son anti-air, et on venait lâcher l'Exocet avec un point à 60 qui était là. 36, pardon, un point à 36 qui était là, puisque c'est un Exocet bloc 2 qui va à 36. Ouais. Alors ça s'est bien passé, dis donc. Donc là, ça continue, et quand on est là, à 36, on peut dégommer, on peut essayer de tirer l'Exocet. Alors, ce qu'on va faire, on va le laisser faire, on va vérifier qu'il a bien son ordre. Ah. Alors on l'avait pas mis. Exocet. Donc on met All Weapon.
on tire l'exocète. Par contre, il faut être sûr de pouvoir se rapprocher à distance de tir. Donc là, 36, on est bon, hein. Là, on est carrément bon. Mais ce qu'on peut faire, on va même, en fait, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et on va s'en aller par là et on retournera du côté, dans des terres plus hospitalières, du côté du Cameroun. Alors malheureusement, on a que ça, quoi. On n'a que un exocet. Alors, on vérifie. Donc, il a bien été affecté à ce Jingwei 2. Donc, c'est bon, normalement, ça va marcher. Alors, on vérifie la doctrine quand même rapidement. Ignore petite course, donc non. Attention. Mais c'est surtout surface tight et opportunity target. Alors là, c'est toujours la même question. À mon avis, il faut mettre non là, mais bon, on va laisser oui parce qu'il n'y a pas de cibles qui peuvent être problématiques. Et il a bien son radar si jamais il en avait besoin pour faire du guidage. Alors ensuite, on a lui, il faut qu'il nous fasse les, il nous faut qu'il fasse le carton plein. Alors pour faire le carton plein, il faut qu'il aille là. Là et là. Alors, il faut d'abord qu'il aille ici. Donc, on le fait aller là. Seulement, le problème, il n'en a que 6 des Mika. Après, il a les guns. Il faut y aller au gun après. Donc, on y va comme ça. Et on va le laisser se démerder. Donc, le problème, c'est que si je mets un gage offensive, RTB order canceled. Ah, bah oui, pourquoi ça? Oui. Engage offensive. Donc ça c'est bon. Alors attention, no RTB, ouais, c'est ça. Il a marqué no RTB, c'est marqué dans son nom ici. Ignore petite course. Faut lui mettre sur yes là. Hein. C'est embêtant parce que si je le mets sur yes, ouais, il faut le mettre sur yes, sinon il ira pas chasser les. Il ira pas chasser les. Des trucs. Alors malheureusement, je lui ai mis. J'aurais bien voulu qu'il aille se faire celui-là d'abord. Celui-là d'abord. Le Y8. Et est-ce qu'on a quelqu'un d'autre sur le porte-avions qu'on pourrait envoyer éventuellement? Et non, on n'a rien, 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 rien du tout. Champion 5, c'est un Atlantique qui n'a que des MU Impact. Champion 6, pareil. Donc on n'a pas le moindre avion capable de tirer. À part lui. À part ce Jedi 3. À part ce Jedi 3 qui a quand même pas mal de fuel. Donc. Et lui là, il va sortir du cadre. Donc lui, il y a de grandes chances que si Y80 cube, qu'il arrive à s'échapper quoi. Ouais, c'est embêtant ça. Et on a personne que on peut ramener personne là. Alors je sais pas si on fait comme ça. S'il y a quatre avions à se faire là, bon, il pourra pas se faire les quatre, c'est sûr, mais bon. Au moins les trois là. Là, il faut le laisser dans la patrouille. C'est pas grave finalement que la zone soit trop grande. Hein. C'est pas grave que la zone soit trop grande. C'est pas gênant. Bon, ben on va voir. On va le laisser se débrouiller. Donc on lui met en ignore petite course yes. Alors attention, Winchester, là on va lui mettre Air to Air Guns. Allow target of opportunity with Air to Air Guns. Donc là il faut bien lui mettre. Hein. Bon. En espérant. Alors on peut lui donner déjà un ordre de tirer sur lui. Ça, déjà ça mange pas de pain, tu vois.
Ouais, mais on lui en met combien? C'est ça le problème, quoi. On va lui mettre 2 EM et on va le laisser se démerder après. D'autant plus que ça, c'est un avion à hélice, donc à mon avis, les IR, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Et ça, les pros de l'armement le diront. Moi, je suis pas sûr de pouvoir le dire. Bon. Donc, il a sa patrouille, il est là pour dégager ses avions dans cette mission AAW Logistique. On va quand même aller la vérifier. Hein. AAW Logistics. Oh putain, pourquoi il a la règle d'un tiers? Ça, outside patrol aérien, il faut pas le mettre. Par contre, là, oui, on va le mettre. Single aircraft, on met pas le Enforce. Ah oui, il y avait rien de bon sur cette patrouille. Active, ça c'est bon. Bon, on l'avait changé sur l'autre, donc c'est pas la peine de tout changer ici normalement, mais bon. Fuel state. De notre RTB. Et là, notre load. Bon. Allez, on va le forcer comme ça. Je sais que c'est redondant ce que je viens de faire. Ça, c'est redondant avec ce que j'ai fait juste avant. Mais là, normalement, on est plutôt pas mal comme ça. Ouais, avec le Air-to-Air Gun Preferred. Air-to-Air Gun, donc c'est bon. Ah oui, alors. Unspecified one. Unspecified one. Bon, ben, je lui en ai envoyé deux à la main. Bon, ben, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. Alors, ensuite, donc, on a la frappe là avec l'Exocet sur ce Jingwai. Et là, alors, ensuite, on a notre Aconite qui est très malade, mais qui est en range là, qui va pouvoir tirer. Qui va pour tirer. Alors en fait, il faut changer le plan. On va tirer sur lui. D'autant plus que lui, en plus, c'est un croiseur. Ouais, mais attention, lui, il est mieux équipé pour. On a plus de chances de toucher la frégate. Par contre, il est plus proche. Parce que lui, le croiseur, à mon avis, il va être super bien défendu, quoi. Le croiseur, à mon avis. 40 HPJ 38. Submarine, submarine, target. 130 mm. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Ça, c'est sous-marin. HQ9 guided weapon missile. Ouais, on va laisser tomber. Il faut rester sur la frégate. Tant pis, il va rentrer dans le range vachement plus tard, un peu plus tard, mais il faut rester sur la frégate qui va. Donc on va bien lui mettre opportunity target sur non. Parce que sinon il va le tirer sur son. Ah ouais, tu vois. Sinon, il va le tirer son missile. Opportunity target sur non. Il faut tirer sur la frégate. Putain, il est bien malade. Hein. Ben, ça arrivait pendant ce tour. Parce que là, si tu regardes la. Ben, ça, c'est chiant, les. Tu vois, les trucs qui disparaissent quand tu zoomes. 4, donc on y est presque là. Donc on va tirer sur cette frégate. C'est, on a plus de chances de l'avoir. Voilà. Ensuite, on a notre Suffren qui est monté de bloc 2, donc pas terrible. Donc lui, on. Ah, attention, ils ont changé de cap là. Ils ont changé de cap. Mais est-ce qu'ils nous auraient pas repéré? D'ailleurs, on va. Ça fait rien. On va se rapprocher d'eux. Parce que éventuellement, on pourrait se faire le croiseur. Donc on va aller là. Attention, alors on va ralentir maintenant. Hein. Creep. Attention.
Creep. Et on va se mettre juste over the layer. On va changer un peu. On n'est pas encore à même de tirer les exos. Mais les exos, on pourrait se le faire à l'exo 7, lui. Et on garde le. Et on garde les torpilles. On va se faire le Yushen. On va se le faire à la torpille. Parce qu'on l'aura pas avec 4 exo 7. Hein. Quoique le croiseur, apparemment, c'est lui le grand méchant. Hein. Regarde ça. Il a un range de folie anti-aérien. Lui, il a pas grand chose. Ah ouais, lui ici. Un destroyer. Ouais, c'est compliqué là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut ralentir. Il faut ralentir, ralentir. Parce que là, on n'est vraiment plus très loin. 36. Et là. On a l'aconite. Donc ça, on a déjà vu. Alors ensuite, on a le. Alors on a le Bretagne qui est là, mais le Bretagne. Le Bretagne. Alors on va passer en Show Range for Select Unit. Alors là, je sais pas si comment les enlever ceux-là. C'est. Est-ce que c'est les targeting vecteurs? Ouais. Alors là, tu vois, c'est. Là, ça devient la jungle. Donc, targeting vector, selected unit. Malheureusement, comme lui, il a des armes au sol, il peut tirer a priori sur n'importe quoi. Donc, ça. Ça jamme un peu le paysage, quoi. Sachant que lui, on veut quand même qu'il tire ses exocètes. Bloc 3. Bah, sur un de ces deux-là, s'ils sont survivants. Donc on va lui faire changer de cap un peu plus par là. Voilà. Ensuite, notre task force. Alors pareil, on a toujours une bonne. On a toujours des. Alors, on n'a que 9 Aster. Ah non, Aster 30, on en a là. Les PAMS 31. 75 Aster 15, 36 Mistral, 36 Mistral. Alors, on a 32 Exocet bloc 3. Donc là, il faut aller au contact. Et oui, c'est ça, il faut les empêcher de débarquer. Donc, il faut aller au feu, là. Donc, on va arrêter de faire du cabotage. On va prendre un peu plus de large. Ah non, non, il faut continuer, il faut rester sur notre plan. On change un peu de course comme ça, mais c'est bon, on reste sur notre plan. On va à 17 nœuds, c'est plutôt bien. Voilà, on reste comme on avait dit. Ok. Donc ça me paraît pas mal. Ici, notre colonne de blindés, de 10 blindés, hein, il faut pas de 10. C'est 10 unités. Une unité, c'est 4 blindés. C'est je sais pas combien d'ailleurs. 4 blindés peut-être. Donc. Donc là, ça se passe plutôt pas trop mal. 8 nœuds, 9 nœuds. Ouais, ils sont là. Il y en a un qui part un peu devant, mais bon, ça se passe bien. Donc, on les laisse faire. Ça se passe plutôt pas mal. Donc, ils continuent. Par contre, je suis pas sûr que ça serve à grand-chose de faire ce crochet, parce que là, la route, on voulait rejoindre cette route. Mais regarde, il y a des collines, là, il y a des montagnes. Donc, c'est pas bon. Donc, je pense qu'il vaut mieux essayer de passer carrément dans les champs et rejoindre la route ici, cette route là. On va changer l'ordre. Alors là, on n'arrive pas à le choper. Ça, c'est mal foutu. On n'arrive pas à le choper, quoi. Ouais, on n'y arrive pas. Alors ça fait tout recommencer, quoi. Oh, putain. Pourquoi on peut pas le choper? On peut pas. Ah, ça y est. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Il devait être mal cliqué et ça l'activait pas. Voilà. Et on va essayer de rejoindre la route qui est là plutôt. Attention, parce que c'est quoi ça?
Permanent Wetland, oui, voilà, et attention, attention, il faut, c'est ça. Et oui, c'est toi, c'est ça, il fallait pas. Mais bon, c'est pas grave, on va pas. Attention. Permanent Wetland, oh putain, il faut pas, il faut pas. Mais comment on passe là? Ça, c'est des collines là. Bon, on verra bien, on n'y est pas encore. Là, Boreal Forest. Attention, Permanent Wetland. Donc, on va recommencer. Map setting, on va faire view. Land cover. Et on recommence. Ouais, je l'avais, il fallait pas toucher, je l'avais fait, il y avait une raison de faire ça. Ouais, alors les permanents wetlands, c'est ceux-là, c'est les foncés là. Permanents wetlands. Donc c'est là où c'est foncé, il faut pas y aller, quoi. Il faut pas aller foutre un pneu là-dedans, quoi. Donc on y va, on passe par là. On échappe au marécage. Voilà. Attention là-bas, c'est pas très bon, hein. Voilà, et là on rejoint cette route. Et normalement, attention, parce que là-bas, tu vois, il y en a là du. Il y en a du permanent wetland. Hein. Alors, je me rends pas compte à quel point c'est très sensible. Bon. Là, il y a un bled. Bon, allez, on y va comme ça. Ouais, il faut contourner, mais c'est cet estuaire là, qui est dangereux. C'est l'estuaire qui est dangereux. Et là, les collines, j'ai pas trop envie d'aller m'aventurer là-dedans, quoi. Grassland. Ouais. Bon. Ok, bon, on touche plus, lui. On les touche plus. Ah. Flanque. Voilà. Ok, ici, on a des hélicos qui arrivent, mais bon, ils ont... On n'a plus de cargo, on n'a plus rien, donc ça sert à rien. La base aérienne, on a du cargo, donc il faut continuer à charger, parce qu'on a, regarde, on a des ERC 90... Saguet, on a des 155 mm, on a donc des canons et on a des 10 RC, donc ça il faut pouvoir les amener. Alors logistique, logistique, cargo, donc là c'est tout chargé, hein. Ils sont tous chargés, on vérifie vite fait. Ouais. Alors les paratroopers, par contre, je pense pas. Ouais. Alors ouais, mais bah, écoute, ça m'emmerde. Il faut l'enlever ce truc-là. Il faut le réarmer en cargo 37 tonnes. Hein, c'est un quoi? C'est un A400. Allez, cargo 37 tonnes. Hein, on y va. Tant pis. On perd du temps, mais bon. Et on va le charger. Donc on lui met un comme ça, un AMX 10 RC, et on va lui mettre un 155, et puis bah là on les met. Hein. Ah, il n'y a même plus la place, et pourquoi? Il n'y a pas de quoi mettre le tripode. Ok. Ensuite, toi. Alors attention, il peut monter. On va les monter finalement. Parce que ça, c'est du ferry pour eux. Tout ça va être du ferry tout droit là. Hein. D'ailleurs, on va le mettre lui aussi. Assign to ferry tout droit là. Hop. Et lui.
Il a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà le temps que ça va prendre. Ferry tout, voilà. Et bon, c'est ça un pont aérien. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors après, on a ces hélicos qui sont là, mais bon. Libreville, base aérienne 175. Aircraft. Ouais, mais il n'y a plus rien, quoi. Alors, remontons. Ici, alors est-ce que ça avance? Oui, ça avance, ça avance. Ça avance, ça va sur Douala, donc ça se passe bien. 5 nœuds, bon, ça va pas vite, hein, mais bon. Eh oui, on est dans la. On est en pleine brousse là. Hein. Ici. Bon alors eux, ils sont perdus, malheureusement. Ils sont perdus à tout jamais. On va continuer à les splitter un petit peu. Là, il y a 5000 ans. Bon, bah, c'est pas mal comme ça. Hein. Bon, là, on touche plus. Là, ils ont tous des ordres, donc on va laisser faire. Bon, les ordres ont été donnés, on laisse faire. Alors là, il y a ce régiment. Tu vois, il y a de quoi faire là quand même. Hein. Dit Leclerc. Donc eux, putain, mais ils avancent pas, quoi. Deux nœuds. Slow lead can slow down group reform. Bon, faut les laisser faire. Donc a priori, ils ont tous des ordres, ils convergent. Eux, ils affûtent leur couteau. Là, on a nos hélicos qui reviennent à vide de l'AHUW Mnemba. Donc il faut les recharger. Mais c'est bien qu'on les récupère. C'est bien pour deux raisons. Ça veut dire que le chinois ne marque pas de points, parce que c'est quand même 100 pions chaque hélico, et on pourra faire un nouveau service, quoi. Alors, Mamfé, Mundamba, pardon. Mundamba, je vous rappelle que Mundamba, c'est ici. Voilà, il faut qu'ils prennent. Il faut qu'ils viennent. Poser ses pneus dans ce carré-là pendant 2 heures, je crois, ou 4 heures, 2 heures, 2 heures. Donc, bon, il n'y est pas encore. Ceci dit, attention, parce que on a GMLRS. Donc, lui, pourquoi il n'est pas à l'arrêt? Ah, parce qu'attention, ça, c'est un César, et lui, c'est un GMLRS. Alors, GMLRS, il va là. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'ordre? Ah si, ben il est là, l'ordre, je ne voyais pas. Et en magasin, ouais, il a que du GMLRS, il n'a pas de. Ouais. Oui, je disais, s'il nous fait un largage de. Un parachutage ici, on n'a rien. Hein. Donc il faut. Bon, ben les javelines, je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. On va mettre quand même. Là aussi, si jamais il nous amène des avions, la Légion, il faut mettre des unités ici. Hein. Mistral, allez, on va les mettre à Mounamba, parce que si on n'a rien. Arti. Bon, attention, on va les mettre à l'intérieur du périmètre. Ouais, on n'a rien là. Hein. Une Légion, donc ça, il faut le mettre à l'intérieur. Ça, un Mistral, bon ben. Bon. On va mettre ça. Et non, mais les Mistral, j'en veux pas. Eh oui, on est embêté là. Lundi de détachement, 5000 ans. Et c'est des 1000 ans.
Bon, on va en faire venir un peu quand même. Ouais, il y a eux qui arrivent. Si jamais il y a un pépin, il y a eux qui arrivent. Mais bon, ils vont prendre du temps avant d'y être, hein. Donc, autant faire venir des javelines si jamais il y avait des... Mais bon, je vois pas comment il pourrait faire venir des tanks. Non, ce qu'il peut faire, c'est nous faire un parachutage de... Il peut nous mettre des paras. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est de l'infanterie. Oui, mais c'est loin, hein. Ils sont loin de Mounemba. Faut revenir en arrière, les gars. Contre-ordre. Juste à titre indicatif. Yes et tight. Donc on est bien là. Tous ces camions qu'on voit là, c'est du lundi de détachement, c'est du Milan. C'est du Milan. Tout ça, c'est du Milan. Et du javelin, j'imagine. Surtout du Milan d'ailleurs. Hein. Ouais, et du javelin. Et ouais, parce qu'on n'avait rien pour défendre. Hein. Bon, bah écoute, on a ramené quand même pas mal de monde, mais bon. Alors, le Hameau 3, avec ça, c'est pour les artis. Ouais. Bon, et puis il y a eux qui arrivent. Donc, on pourra en laisser un ou deux sur place. Hein, mais ils sont à combien? Ils sont à 18 miles nautiques. Bon, ça va. De toute façon, on a pas mal de Mistral. S'ils voulaient faire un parachutage, ce serait quand même un peu chaud pour lui. Bon, on y va. Donc, on reste comme ça. Là, on a une reco qui est bien. Et là, une Rocco qui est bien. Et sinon, on a aux premières loges, là, on a des Milans qui sont là aux premières loges. À 3 d'épée, quand même, pas mal. Hein. Bon. Ok. Donc voilà pour Mundamba. Alors ici, est-ce que ça a commencé à friter? Ah oui, non, mais là, c'est la guerre totale qui commence. Alors. Oui, il y avait ce ASW Trucks Mundamba. Alors, oh putain, qu'est-ce qu'elle est devenue cette mission? J'imagine qu'ils doivent être en train de rentrer à la base, quoi. Ils venaient de Douala, si je me souviens bien. Ils sont où? Je les vois pas, quoi. Ils venaient de Douala. C'était pas des hélicos, c'était... Ah, est-ce que ce serait pas ça? Coyote 6. Eh oui, GBU, les voilà, et voilà. Et ils ont tiré leur GBU. Ah, alors attention. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept coyotes. Donc apparemment, ils ont tous tiré leurs munitions, hein. On va aller regarder rapidement. Toi, oui, je regarde ici s'il reste des GBU. Oui. Là, ils ont tous tiré leur GBU. Ils ont tous tiré leur GBU. D'ailleurs, est-ce qu'ils y sont allés au canon? Ouais, j'en sais rien. Alors, si on va sur la mission, ah bah, elle est là. Qu'est-ce qu'il y avait comme doctrine? Ah putain, il y avait disengage immédiatement. Ouais, mais ils avaient rien d'autre, donc c'est pas grave. C'est bon en fait. Tant pis, c'est pas grave. Donc alors, allons voir ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait des dégâts, quoi? C'est ça là. Ouais, bah, pas trop, hein. Bon, si quand même là. Bon, là, on voit rien. 4. 4. Là, il y a eu ça. Et là, il y a eu un camion de munitions. Et là, une artillerie. Il n'y a pas terrible, hein.
pas terrible. Ouais, 20 nœuds, donc il faut essayer de l'intercepter, on n'y arrivera pas. Sauf s'il devait tomber en s'embourber quelque part. Ouais, donc pas terrible. Hein. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là? Ah mais non, c'est pas rien. Non. Je pensais qu'il y avait j'avais perdu un rêve point, mais non, c'est l'intersection des deux zones. Alors là, ils arrivent sur Mamfé. Alors là, il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr que. Attends, d'ailleurs, regarde ça, on a été bombardé là. Ils ont, tu vois, quand il a la barre en vert fluo, c'est qu'on a été touché. Tu vois, quand la barre normale, c'est en vert comme ça. Mais quand c'est du vert fluo, ça veut dire, regarde, on a eu 25%. Là, jaune, on a eu 50%. Oh putain, les boules. Et ouais, il a bien visé les artistes, salopard. Et je dis ça en toute amitié, hein. Ça, c'est des Leclerc. Hop là, et voilà. Alors quand c'est malheureusement, quand tu fais ça, tu peux pas juste le désélectionner. Il faut tout désélectionner. Arty. Engage opportunity target, yes. Automatic evasion, non. Et donc, les 155. Tu vois, c'est sur système default, là. C'est pas très bon, ça, hein. Bon, les GMLRS, eux, on va les laisser. Mais c'est eux, j'ai envie de les mettre sur les Ardennes uniquement. Hein. Unknown type, do not use. Soft, do not use. Hardened, unspecified. Target missile defense value. Mais tu vois, il nous remet pas là, il nous remet pas le truc là, inherited, il nous remet pas là. Attention, building. Do not use hardened unspecified. Attention, 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 attention. Soft mobile. Et c'est où les mobile véhicules soft, hard? Là, c'est building. Mobile target soft. Mobile target hardened. Voilà. Donc soft, on va mettre. Ah, on va. Si, si, il faut laisser, quoi. Et pourquoi là, il nous met pas inherited, quoi? Normalement, il devrait l'avoir tout seul, ça. Et ça me plaît pas ça. Tu vois, il met system default inherited. Et il nous remet pas la valeur qui est irritée. Non, pas system default. Ah, ship, on s'en fout, qu'est-ce que je fais là? On s'en fout des ships. Ouais, j'espère que je fais pas une connerie, mais là il y a un problème là. Parce que si j'en prends qu'un seul. Mobile. Hardened.
Tu vois, il te le met inherited et il te met derrière ce qu'il y a. J'espère que c'est bon. Bon, on aura le temps de corriger si c'était pas bon, hein, mais bon. Alors là, ouais, on a vu. Là, on essaye de. Alors là, on a les anti-tanks, hein, donc c'est des légions. Hein. Tu vois, lui, ils ont pris de Jérusalem, ils ont déjà pris du plomb, tu vois. Et ouais, là-bas aussi. Et je vous rappelle qu'ils doivent aller prendre Mamfe qui est là, hein, et on n'a pas grand-chose pour nous défendre. Là. Et là, on a bien des renforts qui arrivent, mais ils sont à 40 milliards de kilomètres, et puis ça reste de la piétaille. Donc, un, ils vont pas vite. Deux, ils sont pas super puissants. Bien qu'ils aient quand même de l'anti-tank. Hein. Bon. Voilà. Bon, bah, écoutez, on a fait Mamfe. On va arrêter la vidéo ici. On aura à faire... donc, on a fait Douala, Mundemba, Mamfe. On a fait le théâtre océan. Il va nous rester à voir la FFB et surtout... Et surtout Garoua. Alors on va jeter un petit coup d'œil quand même à Garoua par curiosité. Alors là, on avait nos héros. Là, on a un mortier. Putain, il faut le dégommer ce mortier, quoi. Je vais donner l'ordre tout de suite pendant que j'y pense. Alors, je voulais aller voir Garoua. Alors, putain, tu vois, là, ils arrivent déjà. Là, ils arrivent sur la FFB au nord, hein. C'est terrible ce qui se garde ça. On n'a rien pour défendre. Hein. Enfin, on n'a rien. Si, on a là. Là, on a un paquet. Et tout proche de la FFB. Hein. Je suis incapable de dire s'il va être capable de prendre la FFB ou pas. Et de prendre Garoua, de prendre Mundemba, etc. C'est ça qui est fort. C'est que j'ai fait, pourtant, c'est moi qui ai fait le scénario. Je le joue. Je suis incapable de dire qui va gagner. Quoi. Et ça, c'est fort. Hein. Ça veut dire que, je sais pas si c'est équilibré ou pas, mais là, si je devais mettre un billet parié sur l'un ou sur l'autre, je franchement, j'en sais rien, quoi. Bon, là, on a par contre, là, on a carrément, là, on a le théâtre nord, on l'emporte tout à la main. Bon, attention, parce qu'ils ont quand même des troupes qui arrivent, et nous aussi. Donc là, vraiment, ça s'est bien passé. Par contre, là, il fait une percée par ce défilé. Oh là là, regarde ce qui arrive, là. Regarde-moi ce qui arrive. Bon, bah les gars, on verra ça dans la vidéo prochaine. Oh là là, là, il va y avoir un combat de folie, quoi. Armored Group. Alors, c'est pas eux, nos héros. Ils sont où, nos héros? On a un groupe qui avait déjà bien combattu. Je sais pas, on les retrouvera. Mais là, ça va dans ce défilé de montagnes, ça va se friter entre... 1, 2, 3, 4, 5 groupes de Leclerc. Et regarde ce qui arrive en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de type 99. Et derrière, il y a tout ça. Donc ça craint totalement. Bon, allez, on arrête la vidéo là. Je reviens sur Mamfe. Et on finira la passation des ordres avant de lancer la résolution de tour. Donc on revient à Mamfe. Voilà, on était à Mamfe. On va regarder, d'autant plus que là, il y a ça qui est craignos aussi. Hein. Putain, ça c'est carrément flippant aussi. Tu vois. On ne sait pas trop où ils arrivent. Il y a une végétation qui est assez hostile, on va dire. Mais eux, ils ont le nombre là. Hein. Là, il y a vraiment un effet de masse. Non, je ne sais pas trop où il va venir. Il reste un jour et 19 heures. Donc on n'a rien fait. On a commencé à 7 heures du matin, il est midi. Ok les gars, allez, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo du tour, c'était le tour 10 je crois. Et je vous dis donc à bientôt sous le soleil du Cameroun, ciao.